Bonne raison pour aller vivre en Allemagne. Et bah franchement, venez parce que les Allemands ils sont vraiment super bien habillés. Es gibt natürlich viele geile Sachen in Frankreich, aber das Beste, das sind die Mädchen. J'ai trouvé l'amour à Berlin et ma meilleure amie aussi. Französisch ist eine so tolle Sprache und man kann sie überall benutzen. Sie klingt elegant, melodisch und wunderschön. Sieh nur den Unterschied zwischen mein Schatz und mon amour. Vraiment, l'Allemagne c'est pas comme on le pense, c'est beaucoup plus libre. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas mes parents. L'Allemagne, c'est un pays où il y a beaucoup de différentes nationalités, de cultures différentes. Vous voulez que je vous dise ce que j'aime en Allemagne? C'est l'architecture, mais aussi faire du shopping. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Dites-moi d'où il vient, enfin, je saurai où je vais. Das ist das der perfekte Grund, Französisch zu lernen, damit ihr die Texte von Sars versteht. Also dann kannst du endlich die schönen Texte von Stromae verstehen. Sommer, Sonne, Strand und Käse ist für mich so voll das Ding. Bière, Schnitzel, Kebab, Currywurst, voici quatre raisons pour venir en Allemagne. Für mich eines der größten Argumente, Französisch zu lernen, ist die Esskultur in Frankreich. Mes parents m'ont forcé à apprendre allemand. Au début, j'ai détesté l'allemand. Mais maintenant, j'ai découvert les döners, les kebabs version allemande. C'est grave bon. Also, ich sag nur, lernt Französisch und freut euch auf Frankreich. Französisch ist toll, ihr könnt das. C'est génial, venez ici, c'est incroyable. Also, apprenez le français, pensez pour le monde. Also schnapp dir dein Französischbuch und leg los. Vive les pierres allemands. Deutsch-Französisch ist klasse. Venez pour pécho en Allemagne. Donc venez en Allemagne, vous allez voir, c'est tip-top. Ehrlich gesagt, ja, also Käse. Also Hinder.